Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir au lycée Margaudry à Louda aujourd'hui, donc 14 novembre 2017, pour participer à la 26e édition du prix Renaudot des lycéens. Donc vous aviez une sélection de livres à lire depuis le début de l'année scolaire qui comporte 6 livres qui étaient extraits de la section nationale. La sélection nationale du Renaudot. Et écoutez, aujourd'hui, c'est l'aboutissement de votre travail, le travail de vos classes, des groupes dans lesquels vous étiez inscrits. Et avant de commencer, je voulais vous préciser que donc aujourd'hui, nous sommes filmés. Donc nous sommes filmés par 5 élèves du lycée, la section audiovisuelle du lycée Guy Chauvet de Loudun. Il y a donc autour de la table 2 élèves qui représentent chacun leur lycée. Et cette année, nous avons 14 lycées qui participent à cette édition. L'expérience qui est faite aujourd'hui d'avoir une retransmission directe peut se faire grâce à l'association Plateau Audiovisuel qui porte ce projet avec le CAR Régie qui peut retransmettre en direct l'émission. Ce qui est important, c'est de voir que c'est la première fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va voir ce qui se passe. D'habitude, c'est à huis clos, donc personne n'est au courant de ce qui se passe. Les débats sont secrets. Jusqu'à midi et quart, midi et demi, au moment où on va tous se retrouver au lycée, dans le restaurant d'application, au moment où il y aura la diffusion et la proclamation du lauréat, cela doit rester secret. Donc vous ne direz rien à personne. Et nous, au moment où on va commencer à faire les votes, il y aura une interruption de la retransmission de façon à ce que tout cela reste secret et que la surprise reste jusqu'au bout. Donc nous aurons peut-être aussi des auteurs et des maisons d'édition qui suivent en direct l'émission, puisque en fait, ils ont été prévenus. Donc voilà, ça peut être une expérience encore plus enrichissante que d'habitude. Donc on va se présenter quand même avant d'aller plus loin. Donc en ce qui me concerne, je suis Béatrice Hockenberg, je suis conseillère principale d'éducation au lycée Guy Chauvet à Loudun. Et moi je suis Isabelle Laurendeau, je suis professeure de lettres histoire au lycée professionnel Margaudry de Loudun. Alors, on va vous demander à chacun d'entre vous de vous présenter. On va faire un tour de table. On va commencer par le lycée Charles Coulon d'Angoulême, tout à fait au bout. Et à tour de rôle, vous allez vous présenter en précisant, s'il vous plaît, avec quelle classe et quel groupe vous avez fait ce travail du prix Renaudot des lycéens. On vous écoute, à vous. Alors moi je suis en équipe du lycée Charles-Augustin Coulon. Alors on a fait ce prix Renaudot avec toute la classe de seconde GTC. Lui Divine et Contendi avec la classe de seconde GTC de Charles Coulon. Du coup Julie Dupeux, on est dans le lycée Paul Guérin à Junior et on a fait tout le prix avec la première histoire de science à Paul Guérin. Planck Autorelli, au lycée Paul Guérin en Devior également, en premier S3 avec le groupe d'accompagnement personnalisé. D'accord, vous pouvez nous préciser combien vous étiez à peu près dans pour chaque lycée, combien d'élèves étaient concernés? On était une trentaine. D'accord. Samuel, du lycée Margaudry à Loudun. On a fait ce prêt avec la classe Manger et Tapisserie. On était 24. Pierre, du lycée également le 22 à Loudun. Donc c'est la même chose. Le groupe suivant. Anaïs, du lycée Guy Chauvet de Loudun, élève de seconde volontaire. Camille Rouget, élève du lycée Guy Chauvet à Loudun, avec la classe de première élève. Donc c'est pas uniquement la classe de première élève qui a travaillé sur ce projet. On était un groupe de quarantaine. Première L. Première L, terminale L et les secondes volontaires. Très bien, ok. Merci. Avec Ilona, du lycée Enigro à Pompolan, et c'était sur volontariat, et on était à peu près 13. Angélique, du lycée Enigro de Pompolan, qui est par équipe. Caroline, du lycée Edouard Brand Michel-Rose, on est en première S2, et on a à peu près 20, et on a tous travaillé dessus.
Kélissa, du lycée Beaumont. Ben, nous étions 20, une classe entière, du coup. Donc vous étiez dans la même classe. Oui, donc c'est la même chose. Donc en fait, si c'est la même chose, c'est pas forcément la peine de répéter, mais bon, mais voilà. J'ai pas fini. Vas-y, je excuse-moi. Alors, nous avons élaboré plusieurs projets. Un café littéraire qui va se dérouler prochainement. Ainsi que nous avons créé un article sur le blog du lycée. Et dans un dernier temps, nous avons aussi... nous sommes aussi passés dans certaines classes du lycée, notamment les secondes générales, les premières S, les premières STMG, il me semble. Et les pour faire S. quoi Pour promouvoir le prix. D'accord. Merci. Coucha Alison, du lycée Nord-Aquitaine à Poitiers, où j'ai travaillé avec ma classe de seconde F, on était à peu près 30. Je suis Julia, lycée Nord-Aquitaine à Poitiers. Donc Carl, je représente le lycée Mornay. Donc on est en première L3, on était une vingtaine et on étudie. Donc Marou et Mia, également lycéenne à Duplessis Mornay. Louise du lycée Auguste Renoir à Limoges, donc le lycée Auguste Renoir. On était un groupe d'une quinzaine de personnes, de volontaires. Moi, je m'appelle Sarah, terminale L. Et c'est aussi sur la base du volontariat et donc avec Léa, lycée pays de Nice, en classe de seconde fédérale, et c'était une classe de mélanger les deux secondes avec en enseignement de tradition. Moi, je suis dans le lycée Pierre, et je suis dans le enseignement de tradition. Noah, on est en seconde. Donc Mathieu, pareil, en seconde générale, et nous participons à ce projet dans le cadre d'environ 20 personnes de littérature associée. Paul, du lycée Victor Hugo, dans le cadre de l'enseignement d'exploration littérature société, on était 17. Très bien. Martin, du lycée Victor Hugo, je suis en BTS Commerce International, on est en classe entière, on est 40. Blandine, donc je suis élève en seconde. Au lycée Saint-Louis à Pierre-Marie. Et nous avons participé à ce projet dans le cadre de l'option de traitement. Pierre de la Châtelle, on a mis aussi une trentaine dans le groupe de littérature associée. Flavie du lycée Nelson Mandela Poitiers, on a participé au prix avec la classe, le premier S, on était une trentaine. Pierre et la même chose. Parfait, très bien. Alors maintenant, vous repérez un petit peu les prénoms de tout le monde. Vous avez, pendant le débat qui va avoir lieu, le droit de vous interpeller entre vous. Sinon, vous passez par nous. Si on voit qu'il y a trop de monde, c'est nous qui distribuerons la parole. Je vous précise aussi que devant vous, vous avez chacun un petit livret qui est très très bien fait et qui vous permet de prendre des notes au fur et à mesure des discussions qui vont avoir lieu. Vous allez pouvoir vous rappeler un petit peu ce que vous avez dit au niveau de votre lycée pour reprendre vos arguments et puis noter un petit peu les débats, ce qui va être dit, puisqu'en fait, il est bien évident que vous représentez vos lycées, mais vous représentez aussi la qualité des débats et l'ensemble des arguments qui vont être apportés par chacun d'entre vous vont peut-être un petit peu modifier à un moment donné la vision que vous avez du lauréat que vous souhaitez porter au prix Renaudot des lycéens. Donc n'hésitez pas à écrire, prendre des notes sur ces petits livrets, ces petits fascicules que vous récupérez bien entendu à la fin. Est-ce que vous avez des questions ? Non. C'est bon, c'est clair pour tout le monde voit comment on fait, comment ça se passe. Mais écoutez, nous allons régulièrement donner la parole pour introduire les livres à Anaïs et Camille qui ont travaillé spécialement les enchaînements et la présentation de chacun des livres. Elles présenteront chaque ouvrage et elles finiront par une question sur laquelle on démarrera l'entretien. On essaiera de passer entre 10 et 15 minutes sur chacun des ouvrages en fonction du temps qui nous est apporté. On a pris un petit peu de retard, mais on va essayer de quand même garder malgré tout assez de temps pour chaque ouvrage.
Camille, Anaïs, c'est à vous. Alors, vous parlez bien fort, s'il vous plaît. Bonjour à tous. On est ici pour l'attribution du prix Renaudot et élire le lauréat 2017, avec une sélection qui est quand même très colorée et très diversifiée, avec des faits divers, des histoires de famille ou encore un appel à la culture. Et comme la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a dit hier que la paix passe par l'éducation et la culture, et je pense que c'est une bonne introduction pour le livre de nos richesses. Je vais vous dire ce que vous en pensez. Je vais vous donner la parole. Tu peux répéter ton enseignement, c'est juste pour qu'on se remémore. Ce que la directrice de l'UNESCO a dit. Que la paix passe par l'éducation et la culture. La paix, j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, la paix ! La paix. D'accord. Pardon. Et il y a une la question avec parmi les nombreuses facettes de Mont Charlot, laquelle vous avez pu toucher, découvreur de talent, éditeur, bibliothécaire, amateur d'art. Quelle est la facette de ce livre qu'avez-vous préféré? Qu'est-ce qui vous a fait découvrir? N'ayez pas peur, hein. Vous pouvez prendre la parole, on ne vous mangera pas. Par exemple, nous, dans le lycée, on a tout pensé que la facette de l'édition dans ce livre nous touchait parce qu'on voit tous les risques qu'on prend pour publier les auteurs connus et tout ça. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc ça tombe très bien qu'on commence par fond, parce que c'est celui que Matthias de l'État de la Société a décidé de mettre en avant. Donc parmi toutes les facettes d'Edmond Charlot, ce qui nous a touché, c'est sa simplicité et son humanité. Mais c'est une facette qu'on retrouve dans le livre en général, par exemple dans le personnage du gardien, mais aussi dans le style littéraire, donc de Jean-Pierre Adin, excusez-moi pour la prononciation, donc qui est vraiment accessible à tous, qui mêle littérature et poésie. Et donc, qui nous a touchés assez fortement. Pourquoi ça vous a touché C'est une histoire qui vraiment, comment dire, relève de l'intimité un petit peu des personnages. En fait, c'est pas seulement une histoire d'édition. C'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amitié. C'est des liens qui se créent au fil du livre. C'est vraiment un livre qui est plein de connaissances, de personnages qui sont tous différents. Et divers. Et donc c'est toute cette diversité justement, et ce côté aussi méditerranéen qui nous a touché, cette ambiance qui est travaillée à travers le livre, qui nous fait nous balader à travers toutes ces villes. C'est aussi un petit voyage à travers l'Europe. On est à Paris, ensuite on descend, on se balade un petit peu partout, on découvre des cultures, on découvre toutes sortes de choses qui se trouvent être vraiment intéressantes. Alors, qui veut parler de nos richesses en étendant un petit peu maintenant Oui, on t'écoute, Pierre. Nous, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que nous, on n'a pas vraiment trouvé de sens en sachant que ça, en fait. On l'a trouvé un peu plus banal que ça. Et moi, ça m'a un peu perdu à un moment quand même. J'étais complètement un peu perdu dans cette histoire. Donc, est-ce que c'est l'enchaînement des chapitres, le fait qu'une fois on parle de Montcharmont, une fois on parle de... C'est ça qui t'a perdu dans le livre? Et est-ce que le décor t'a plu? Bon, sinon oui, après le fond est bien, mais... Parce que c'est quand même un roman très visuel, parce qu'on commence avec une balade dans Alger. Alger, Alger. Alger. Donc, c'est quelque chose de... qu'on voit facilement. Pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, on a beaucoup aimé la variété des chapitres, le fait que ça soit séparé en trois parties, le carnet de Edmond Charlot, l'aventure de Riyad et le contexte historique, surtout contexte historique, qui nous a permis de nous situer, d'apprendre sur l'histoire de l'Algérie en fait. C'était très intéressant. Donc voilà, c'est surtout
surtout la, vraiment la, la vie. Enfin, donc c'était vraiment diversifié comme lieu. Mathieu, que voulais-tu dire? Pour revenir sur le fait que vous soyez peut-être perdu dans justement ce plan, c'est justement aussi une forme de richesse que contient ce livre. Merci. Cette balade, en fait, à travers le présent, l'histoire de sa librairie qui va avec, et aussi cette balade dans l'histoire en fait de cette librairie, c'est ce qui nous permet d'avancer. On a une sorte de parallèle, on a la parallèle de l'histoire et la parallèle du présent, c'est l'histoire qui se déroule à l'instant en fait. Et c'est aussi une forme de richesse. Alors après, on peut comprendre que vous y soyez perdu, mais c'est subjectif, je pense. Je peux comprendre que ça ait plu dans ce sens, mais il y avait un autre livre comme ça, si on faisait le rapport au présent et au passé. Et moi, j'avais lu 1414 de je ne sais plus quel auteur. Et ce rapport au présent et au passé m'avait beaucoup plus touché que par rapport à celui-là. Pardon. Voilà. Pour revenir au présent passé, je trouve que c'est très d'actualité comme sujet. Parce qu'on voit toute la culture de l'Algérie, comment on a essayé d'élever par rapport à l'écriture, la littérature, et on voyage beaucoup, par exemple avec Le silence de la mer que Enon Charlot édite, elle se passe en Italie je crois, et on voit toute la culture de l'Algérie, et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant tout de suite? Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que, voilà, on peut faire le parallèle à ça? Et je pense que c'est pour ça que l'auteur a voulu faire le parallèle avec le jeune Riyad qui vient pour vider la librairie. Elle a voulu se mettre dans la peau de quelqu'un. Si cette culture disparaissait en Algérie, comment ça se passerait? Mais les personnages sont pas très poussés, on ne connaît pas forcément leur façon de penser, c'est pas très poussé comme description des personnages, donc on a un peu de mal à se mettre à leur place, donc nous de ressentir quelque chose vis-à-vis de ça. Mais je comprends que ça aurait pu gêner, mais je pense que le fond c'était plus savoir, l'histoire c'était plus sur cette librairie, savoir qu'est-ce qui lui était arrivé et c'était le sujet principal du livre. Je pense pas que les personnages. Je suis d'accord avec. Excuse-moi, je sais plus ton nom. Emilia. Les personnages n'étaient pas très poussés. Du coup, personnellement, j'ai pas vraiment fait le lien comme vous l'avez fait, vous deux, sur le passé et présent, la destruction de sa librairie et Riyad qui enlève tous les livres. Mais en même temps, c'est vrai que le fait que les personnages soient, pas très... On n'en sache pas vraiment sur eux, ça laisse un petit côté mystérieux. C'est comme si c'est que cet instant qui comptait, ce qui, avant, après, on n'en a rien à faire, en fait. C'est juste qu'il est maintenant qui compte. Le reste, ne compte pas. C'est donc oui, voilà, c'est ça. Donc c'était peut-être pas nécessaire que les personnages soient vraiment développés. Un petit peu quand même, parce que du coup on a peut-être un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire, étant donné qu'il est que le roman est divisé en trois parties, c'est plus compliqué de vraiment se donner à fond entre guillemets dans chaque partie. Parce que tantôt on a le personnage d'Edmond Charlot, mais il n'est pas très poussé non plus, donc on ne rentre pas forcément dans son histoire. Il y a aussi celui de Riyad, donc voilà, c'est assez pour, en tout cas pour nous, ça a été assez compliqué de bien se mettre dans le personnage. Zina, je crois, vous prendre la parole. Merci. Nous, ce qui nous a le plus dans le livre, en tout cas, c'était la création de l'amitié, enfin l'amitié qui s'est créée entre Riyad et Abdallah, deux personnages complètement différents. Et c'est pour ça en fait que ce livre a été choisi par mes camarades du groupe Littérature et Société. C'est avant tout une histoire d'amitié. Oui, voilà, et je pense que c'est ça en fait les vraies richesses, c'est ça, ce qu'on veut nous apporter. Ouais.
En fait, ça, c'est une facette encore différente de celle que vous aviez notée, hein, que vous aviez mise en avant. Quelqu'un veut rebondir sur peut-être Aurélie. Aurélie. Moi, je pense que le plus important, c'est pas tant les relations humaines, mais vraiment le rôle de la culture et de l'immortalité, en quelque sorte, qu'elle peut donner. Alors que l'humain est mortel, la culture peut survivre. Mmh. Sarah. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, j'avais retenu une citation qui disait « Nous nous rendons compte de nos richesses qu'une fois que nous les perdons. » Et là, c'est exactement ça. Quand Riyad vit de la librairie, c'est comme si la littérature s'effaçait. Et finalement, sans la littérature, on n'est rien. On a besoin de cette littérature pour vivre et apprendre des choses et nous développer en tant qu'humain. Et je pense que c'est ça qui... Enfin, je pense que le titre est parleur. Enfin, quand on dit nos richesses, c'est ça, c'est les livres. Avec des simples mots, on peut bien plus faire de choses qu'avec des petits actes. Enfin, voilà. Qui n'a pas pris la parole? Je crois qu'il y avait d'autres élèves qui défendaient d'autres lycées qui défendaient cet ouvrage, Confolant. Où êtes-vous? Oui. Allez, Angélique ou Ilona. Ou Ilana, Ilona. L'une ou l'autre? Nous tous. Je pense que le plus important, justement, c'est pas forcément... Par exemple, le titre, c'est une richesse. Et là, dans ce livre, j'ai compris que la richesse n'était pas forcément en rapport avec l'histoire, mais plus entre l'amitié et la culture qui ressort de cette histoire, justement. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez aimé ce livre dans votre groupe de travail, dans le groupe C'est plus avec l'intrigue. On a tous trouvé l'intrigue un peu captivante. Et on a aimé le fait que le personnage lutte pour ce qu'il veut faire. Pierre, est-ce que tu veux prendre la parole aussi sur cet ouvrage? Notre classe, ce qu'elle a pensé, c'est qu'il y avait une certaine solidarité entre les personnages pour sauver cette librairie. Par exemple, le jeune, il voulait reprendre la librairie et tout le monde disait qu'il y avait une pénurie de peinture. C'est ce qui nous avait plus marqué et puis... Je trouve très personnellement qu'il y a une certaine énergie qui ressort de ce livre. Mmh. Tu peux développer? Il y a plein de sentiments qui ressortent. On peut trouver de la joie, de la compassion et un peu de tristesse dans tout ce livre. Mmh. Donc beaucoup de sentiments qui sont à l'intérieur de ce livre, qui sont développés par différents personnages, par le ressenti que le lecteur a par rapport à cette histoire. C'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. Est-ce que notre établissement veut intervenir sur nos richesses? Oui, vas-y Louise. Quelqu'un a dit à un moment que la culture était immortelle, je ne sais plus qui c'était. Je ne suis pas du tout d'accord. Aurélie. Aurélie. Je ne suis pas du tout d'accord parce que justement dans ce livre on nous montre qu'il faut en prendre soin parce qu'elle peut être détruite à la fin du livre, que ce soit pour Edmond Charlot, sa librairie est détruite, ou que ce soit pour Riyad qui essaye de mettre les livres dehors dans des caisses bleues pour que des personnes les prennent. Il y en a d'autres qui les ont jetés par terre dans l'eau. Donc justement c'est... pas du tout pour dire que la culture est immortelle, c'est pour dire qu'il faut la protéger. Bon, un cri du cœur pour sauver ce livre, pour sauver surtout cette librairie. Oui, on t'écoute. Du coup, ce que j'aimerais quand même préciser, je suis totalement d'accord avec vous, je vois pas votre nom. De plus, je pense que ce livre, il faudrait quand même qu'on se pose la question de la place du livre dans notre société, parce qu'on a la parallèle d'Edmond Charlot qui fait des pieds et des mains pour créer sa librairie, pour faire en sorte qu'il traite ses livres comme des trésors, comme de la richesse en fait.
Et on a ce jeune qui vient détruire la librairie. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question? Il y a un message quand même à travers cette action qui nous dit, aujourd'hui on est en train de, en quelque sorte, les détruire. Il y a quelques années, on était en train de se battre pour faire en sorte que ces livres, ils touchent un plus grand nombre de personnes. Donc c'est cette question de la place du livre dans notre société qui va quand même se poser. C'est ça, l'idée de la culture bien temporelle, je ne la rejoins pas vraiment, parce que justement, quand on voit que quelques années plus tard, les livres, le travail fourni par Edmond Charlot peut être détruit par ce jeune, je me dis que cette culture n'est pas tant intemporelle que ça. Ah oui, alors ce qui manquait à mon propos, c'est effectivement qu'il faut protéger cette culture. Ce que je voulais dire par là, c'est plutôt que si on se donne la peine de le protéger, la culture survit à l'humain. Bon, on va s'arrêter là, même si je pense que vous aurez l'occasion de continuer à discuter et puis à échanger à table tout à l'heure. Il faut qu'on puisse garder du temps pour les autres ouvrages. Donc, merci pour votre participation. Bon, c'était un petit peu un lancement, hein. Donc, vous n'hésitez pas à parler bien fort pour pouvoir vous faire entendre. C'est un petit peu compliqué parce qu'on est nombreux autour de la table. Vous ne connaissez pas forcément les prénoms des uns des autres. Mais bon, voilà, faites-vous signe et puis ça se passera bien. Donc, maintenant, je vais redonner la parole à Anaïs qui va nous parler du fou du roi. Alors, on quitte nos richesses pour le fou du roi, qui est un livre qui se passe aussi en Orient. Et moi, je vous pose la question, est-ce que ce livre, vous l'avez perçu comme un conte ou comme encore autre chose qui peut être... et qu'est-ce que c'est ? Pierre ? Pardon, ça m'a fait... nous, on a vraiment bien aimé ce livre d'un lycée, c'est pour ça que d'ailleurs on a voté pour lui, en tant que tel, dans le lycée. Parce que vraiment, moi j'ai eu l'impression aussi que c'était quelqu'un qui nous racontait un conte, mais que sa vie en lui-même était un conte. Parce que. Voilà. C'est vrai. Parce que quand il nous expliquait quelque chose, on avait l'impression qu'il le racontait d'une certaine manière. Et ça enlevait tout le côté barbant pour moi de ce qu'il y avait dans les autres livres, dans la description. Parce que c'est beaucoup une sélection où il y a des livres qui décrivent beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça ce qui t'a gêné dans la sélection. C'est dans cette sélection, moi c'est ce qui m'a gêné. Et c'est pour ça que j'ai préféré beaucoup plus ce livre, parce que la description est amenée de manière différente. Et pour moi elle est beaucoup plus comme une histoire qu'on raconte, et c'est moi la manière dont je préfère. Et c'est pour ça que dans les classes, il y en a beaucoup qu'on préférait comme ça et qu'on a préféré ce livre. Voilà. L'écriture plus simple. Mathieu ? Je te rejoins sur le fait que la description est amenée autrement. Par contre, pour moi, il y a au moins autant de descriptions dans ce livre. Parce qu'on est... Une fois qu'on l'a terminé, enfin pour ma part, une fois que je l'ai fini, j'ai vraiment l'impression d'être entré dans ce palais et d'en connaître les moindres facettes. Donc... Pour cela, il faut au moins qu'il y ait une certaine description. Et pour répondre à ta question, Anaïs, moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme un conte. Parce que quand j'ai terminé ce livre, ça a amené ma réflexion sur cette relation, déjà paternelle, sur cet homme qui devient l'animal, quelque part, du roi, même si la fin peut remettre en question cette idée. Volontairement, il devient son esclave, volontairement. Cette soumission totale. Oui, et il se nourrit, il s'en nourrit. Et c'est ce fait qui m'a amené à réfléchir sur cette relation entre le roi et son fou. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas perçu comme un conte, même s'il peut en avoir la forme. Je pense que sur le fond, c'est plus quelque chose qui nous amène à la réflexion sur cette relation. Oui, vas-y, Flavie. Nous, du coup, on a trouvé que déjà ce livre était super facile à lire par rapport aux autres. Et parce qu'en plus, certes, il y a beaucoup de descriptions, mais c'est un peu plus utile. Enfin, c'est moins des petits détails, des choses qui ne servent pas à grand-chose dans l'histoire, quoi. C'est pour ça qu'on a trouvé que c'était beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus intéressant. Parce que je pense que le livre est écrit très simplement. Il n'a pas utilisé de grands mots, de grandes phrases littéraires. Il nous a juste expliqué qu'est-ce qui se passait. Alors, il y a de la description qui est utile, mais elle est simple et on rentre directement dans le livre. On n'a pas besoin de plein d'artifices pour ce livre-là.
Oui, voilà, c'est ça. Paul Martin, je vois que Victor Hugo avait choisi Le Fou du Roi en premier. Du coup, nous, en BTS, voilà, pour plusieurs raisons. Sur l'importance du détail, on trouvait que du coup, chaque détail apportait quelque chose d'intéressant et supplémentaire pour rentrer dans le livre. Après, l'émerveillement du narrateur vis-à-vis de son père, et, c'est quelque chose qui nous a plus ou moins plu. Peut-être juste rapporter par rapport à l'Algérie. Effectivement, en France, on connaît bien l'histoire de l'Algérie, mais pas forcément celle du Maroc. Et l'importance du roi au Maroc, c'est quelque chose de primordial, on ne critique pas le roi. Et là, pouvoir avoir une vision d'intérieur de la cour du roi, c'est quelque chose qui, à titre informatif, a beaucoup plu du coup à la classe, puisque ce n'était pas juste uniquement une histoire, c'était aussi quelque chose qui nous apportait aussi dans notre culture générale. La grande, grande histoire, il n'y a pas que la petite histoire du personnage. Et pour revenir j'ai perdu mon mot, quelqu'un m'aide? Au détail, j'ai une page 54, où il décrit sa nourriture. Le matin, nous avions droit à une omelette baveuse, à la viande de chameau séchée, à des galettes mille trous, au miel d'eucalyptus, à une variété de soupes blanches et de tendres viennoiseries. Est-ce que c'est des détails qui vous ont aidé pour l'histoire? Alors, en tout cas, je pense pour moi, maintenant tout de suite, effectivement, pour moi, ça montre l'opulence du palais, la richesse, et à la fois la façon de tenir ses convives auprès de lui, qui sont des choses qui montrent aussi comment un roi règne encore aujourd'hui de nos jours, que ça marchait il y a longtemps comme ça et que ça marche toujours de cette manière-là. Mathieu. Et aussi, l'importance du coup de ce passage, c'est que ça fait partie de la culture, en fait. Parce que ce livre, pour moi, ça a été une plongée dans la culture, justement, marocaine, c'est ça? Je ne me trompe pas. Et chaque page, on découvre un petit peu de cette culture royale aussi. Et c'est aussi pour moi l'importance de ce passage, parce qu'on a une certaine culture culinaire quand même. On en parle relativement souvent. Je suis totalement d'accord avec toi pour la culture culinaire, surtout que... Tu pouvais continuer. Hein. Du coup, juste, il y avait un parallèle, surtout que la culture culinaire, on l'a aussi en France. Du coup, on peut faire aussi le rapprochement entre les deux. Et juste un dernier truc que nous a un peu parlé, du côté marketing, pour le coup. Un peu, pas à voir avec le livre en soi, mais on a parlé un peu du Bleu Roi et de la cover, la première de couverture, qui était très très attirante, en fait. Qui est très belle. Comment ? C'est... Oui, c'est très belle, très bien travaillée. Hein. Donc, entre le Bleu Roi... les différentes superpositions entre la lampe orientale et peut-être l'expression de grandeur entre, on ne sait pas si c'est des bâtiments ou une imagerie médicale, mais qui montrait bien qu'on cherchait à faire une analyse de ce roi. Enfin, voilà. Ce qui m'avait aussi beaucoup plu, c'est le fait de rentrer dans le palais, de voir la cour du roi, ça fait penser un peu au roi Bourbon. Enfin, de voir que toujours aujourd'hui, cette cour existe, avec les intrigues dans le palais, c'était vraiment, c'était vraiment beau. Oui, Sarah. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur les détails, le parallèle avec la vie d'aujourd'hui. Mais moi, il y a un aspect qui m'a encore plus marqué, je ne sais pas vous, mais c'est par rapport au sentiment et à la... et à l'utilisation de la dérision qu'utilise l'auteur. Enfin, personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur suite à la foire du livre qui a eu lieu le week-end dernier. Et en rencontrant l'auteur, ça m'a paru évident que... c'est un homme vraiment qui est joyeux, qui a la joie de vivre en lui. Et je me suis dit, mais oui, pour lui, je pense qu'il a utilisé la dérision et pour un peu... je pense que pour lui, c'était une sorte de thérapie, ce livre, qui s'est imposé à lui, qu'il a été obligé de l'écrire pour essayer de pardonner à son père un peu d'avoir renié son frère parce qu'il ne l'a pas du tout accepté. C'est un homme blessé, mais la dérision lui a permis de guérir et de finalement pardonner à son père. Mais c'est...
pour revenir à ce que tu dis, le thème principal de ce livre, c'est la soumission à son tyran, mais surtout le pardon. Oui. Par exemple, quand on retrouve le frère qui sort de prison et qui nous dit qu'il a survécu grâce au pardon, le pardon est un remède miracle, c'est ce qu'il dira à sa mère qui porte la haine du monde entier contre ce tyran parce qu'il a détruit totalement son fils. Et on se rend compte, bah pas forcément, il a réussi à survivre en pardonnant. Il explique aussi, la haine s'emploie d'abord à répandre son venin dans le cœur qui la nourrit, elle le mine, le ronge, le tue à petit feu. On voit à quelle place il pardonne, à quelle force et quel recul il a dû prendre. Mais c'est ça qui l'a fait survivre. Binebin, l'auteur du Fou du Roi, m'a raconté que donc, son frère était en prison, il a été torturé, il a perdu 40 cm de taille tellement il était recroquevillé dans un coin. Ils étaient plus de 72 dans cette pièce. Et il n'y a eu que 4 survivants. Et il m'a dit exactement ce que vous venez de citer dans le livre, c'est que ce qui l'a fait survivre, c'est le fait qu'il n'ait pas de haine. Il a réussi à ne pas avoir de haine face aux autres, à garder toujours espoir de vivre plus tard et de sortir de cette pièce. Aurélie ? Est-ce que c'est pas justement cette leçon de vie qu'est le pardon qui fait de ce livre un conte, justement, pour en revenir à la problématique de départ? Non, mais disons que dans la plupart des contes, on a souvent une leçon de vie ou une morale. Donc... Et vu que la question qui était soulevée, c'est est-ce que ça peut s'apparenter à un conte, j'aurais tendance à répondre oui, pour cette raison-là, justement. Bonne raison. Ça peut être une conclusion sur ce fait. Donc, si vous voulez passer au livre suivant. Alors, le livre suivant, c'est un certain monsieur Picleni. Donc... La question que je vais vous poser maintenant, c'est, dans ce roman, est-ce qu'on joue avec la vérité? Est-ce qu'elle se cache? Est-ce qu'il y a une vérité? Mathieu? Donc, pour ma part, je pense que non, on ne joue pas avec la vérité pour la raison qu'en fait, il n'y en a pas. On le voit à la fin. J'espère que vous l'avez tous lu, parce que sinon je vais un petit peu dévoiler l'intrigue. Ah, tant pis, tu nous expliques. Il a le moyen, quand il apprend, il est assez désespéré, hein, quand il comprend qu'il n'y a pas de Monsieur Picleni, en fait, il cherche, mais il n'en trouve pas, et qu'en fait, il comprend que Monsieur Picleni, c'est un surnom, donc c'est logique qu'il n'ait jamais pu le trouver dans les archives. Quand il connaît son vrai nom, il décide de ne pas aller vérifier, pour laisser à son auteur l'interprétation, la présence ou pas de Monsieur Picleni. Donc je pense que au final on démarre en se disant qui est Monsieur Picleni et on termine en se disant qui est Monsieur Picleni. Mais un moment du livre, parce qu'on parle beaucoup de Romain Gary dans ce livre, hein, j'espère que ça n'a pas gêné, parce que on en a lu du Romain Gary quand même, hein. Et Romain Gary dit, parce qu'on lui a souvent dit: mais vous vous fichez de nous, vous nous mentez, vous racontez n'importe quoi. Et il dit, mais c'est ma vérité à moi, donc elle devient vraie. Est-ce qu'on peut dire la même chose de François-Henri? Alors, personnellement, je pense que François-Henri, il est resté très objectif sur ce livre. Alors, même si forcément, il nous donne son point de vue et qu'il ne pourrait pas le rester vraiment. Parce qu'à la fin... Moi, j'ai vraiment vécu ça comme une libre interprétation de la présence ou non de Monsieur Picleni. Donc, bien sûr, il y a des indices qui nous feraient croire qu'il existe, et d'autres qui, justement, nous diraient « c'est impossible ».
C'est une invention de Romain Gary, justement, qu'on remet en cause à certains moments. Et c'est intéressant aussi de savoir que... Parce que c'est pas... Du coup, on cherche Monsieur Pigny et on s'adresse à Romain Gary. Donc c'est pas un livre qui est concentré sur la personnalité de Monsieur Pigny, mais au contraire, qui est plutôt ouvert. Et ça, je pense que c'est un chemin qu'a choisi de prendre l'auteur qui est assez constructif, parce qu'il aurait pu se concentrer uniquement sur la présence ou non de Monsieur Pigny. Et en fait, il nous fait découvrir plein de facettes. Tu trouves que c'est sa force, en fait? Oui. Personnellement, oui. On n'a pas été que deux à lire ce livre. Alors, il y a Tanguy qui veut prendre la parole. Moi, après, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, je trouve un peu ça dommage qu'on ne sache pas qui est, au final, et M. Pieckalny. C'est ce qui nous a, entre guillemets, gênés. On aurait peut-être préféré savoir, au final, qui était ce M. Pieckalny, et à en apprendre davantage sur lui, sur son histoire, et tout ça, quoi. Donc, je crois qu'Angélique, ici, veut prendre la parole aussi. Pour rejoindre ce que tu disais, en fait, l'histoire, justement, pour moi, personnellement, en fait, ce livre m'a pas plu, parce que je pensais qu'il allait avoir une fin, genre... qu'on allait savoir qui était M. Pieckalny. Mais en fait, au final, j'ai compris qu'il n'y avait pas forcément de but dans cette histoire. Oui. Camille ? Du coup, moi, je vous rejoins tous les deux. Le fait qu'il n'y ait pas de but à l'histoire, qu'on ne sache pas à la fin qui est ce personnage, du coup, j'ai été un peu déçue et je suis un peu restée sur ma fin sur le livre. Du coup, c'est pas... Personnellement, c'est pas un livre que j'ai apprécié énormément. Et aussi dans la façon dont c'était écrit, où je me perdais beaucoup entre ce que l'auteur disait. Un coup, c'était Romain Gary, un coup, c'était quelqu'un d'autre. Et je me suis perdue dans ce livre. Noah ? Moi, je pense que c'est mieux, en fait, qu'il n'y ait pas de fin où on sache qui est Monsieur Pieckalny. Genre, qu'il laisse la libre interprétation. Parce que ça aurait servi à rien de savoir qui c'est. Ça aurait avancé à rien. Au début, où il est sûr qu'il existe, et à la fin, après qu'il ait vu la pièce, revu la pièce de Gogol, je sais plus quelle page c'est, où il y a quelqu'un qui fait comme Romain Gary dans La Promesse de l'Aube, qui demande à quelqu'un d'autre de dire à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un d'important où habitait cette personne, mais qui n'existe pas. Et à la fin, la vieille dame qui lui dit que M. Pieckalny existait, donc lui qui pensait qu'il n'existait pas. Peut-être c'était juste convaincu qu'il existait. Donc peut-être la vérité, en fait, ça dépend pas de la réalité. Oui, alors ton voisin qui veut peut-être lire un extrait, je vois que vous êtes en train de lire dans le trouver. C'est ça. Pour répondre à ce que vous avez dit, en fait, vous attendiez une réponse. Mais là, je viens de trouver justement par hasard une de ces lignes. Où finit la vérité et où commence le mensonge? Et c'est ça, la richesse de ce livre. Vous attendiez une réponse claire, concise, qui clôt le livre. Mais cette réponse, elle aurait été clairement une prise de parti quant à la présence ou non de M. Pieckalny. Et l'auteur, je pense que c'est vraiment une richesse. Une vraie richesse qui laisse la libre interprétation à son lecteur. Il s'approche plus de la vérité en laissant l'interprétation que justement en prenant le parti, je pense. Après, on reviendra vers Sarah qui je crois, veut répondre à vos interventions. C'est vrai que vous aimez bien. Ça ne vous gêne pas de pas savoir qui est finalement ce personnage, mais c'est vrai que ça nous a quand même beaucoup déçus. De pas savoir qui c'est, faire de la déduction pendant tout le livre, ne pas être sûr, peut-être on est sur la bonne piste, non, finalement en fait c'est pas ça. Donc voilà, puis on est parfois aussi perdu, comme disait Camille, entre Romain Gary ou l'histoire de Pieckalny. Voilà, donc c'était un peu décevant. Donc un petit peu dérouté par cette écriture un petit peu foisonnante. Vous revenez vers Sarah, s'il vous plaît, qui vient du lycée Auguste Renoir, qui va nous donner un petit peu... Alors, je peux comprendre que ça peut paraître totalement déroutant de... Finalement, on n'a pas la réponse de qui est ce monsieur Pieckalny.
Mais moi, j'ai vu la chose un peu plus loin. Je ne sais pas si vous, ça vous a effleuré. Mais moi, j'ai l'impression que ce personnage de M. Piccalini, c'est un peu une allégorie du peuple juif. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que c'est moi qui pars totalement dans une interprétation trop poussée? Alors, explique peut-être pourquoi cette idée. Mais parce que quand même, si on regarde bien, enfin, il y a toute une partie du livre qui est consacrée à ce qui est arrivé donc dans la capitale de Vilnius et à ce peuple juif quand ils sont dans le ghetto, enfin il y a vraiment toute une explication qui est poussée. Moi j'ai l'impression que vraiment les érables il fait ça dans un but qu'il ne faut pas oublier et justement en ne répondant pas à la question de qui est ce monsieur Piccalini, c'est peut-être pour ça, pour dire que rien n'est fini et que la recherche est... Enfin, il faut toujours continuer à... Jérusalem, tu as mienne. Jérusalem, de virtuelle. J'ai pas compris ce que tu as dit. Un moment, Henri-François des Arables, ou François-Henri des Arables, il dit la Jérusalem de Lituanie. Et en fait, ça vient confronter un peu ton idée qui parle de tous les juifs. Jérusalem et oui. Juifs. T'as pas compris? Non, enfin, non. Moi, je le voyais comme ça. Après, je sais pas si c'est vraiment ça. Alors, est-ce que cette idée, vous l'avez exploitée dans vos établissements, dans vos lectures? Est-ce que, pour répondre sur la problématique que soulève Sarah? Moi, je voulais revenir sur... Attends, on va peut-être finir sur cette question, si Anna qui veut... Et puis après, on reviendra sur... Alors, c'est... Allez, faites circuler le micro. Moi, je te rejoins sur ce point. Et je trouve que cette allégorie du peuple juif, on la ressent particulièrement dans sa souffrance, en fait. Quand il explique le ghetto de... Je ne sais plus le nom de la ville, je ne vais pas dire des bêtises. Non. Et c'est surtout dans cette souffrance, en fait, dans ce passage où on a toute la souffrance, où il hésite, est-ce qu'il est mort justement pendant la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce qu'il est encore, il y a échappé. Et justement, c'est dans cette souffrance que moi j'ai ressenti cette forme d'allégorie. Après, en dehors de cette souffrance, je suis pas vraiment convaincu que ce soit l'idée de François-Henri des Érables. Mais il en parle en fait, page 243, il dit « Et si c'était un symbole, et si ce monsieur Piccalini incarnait les juifs de Wilno massacrés pendant la guerre ?» Et si prononcer son nom, c'était sauver les morts à défaut d'avoir pu sauver les vivants. Donc finalement, il en parle à l'intérieur de son livre, et il émet déjà cette idée. Ce ressenti personnel est écrit, et finalement, du coup je te rejoins complètement, et on rejoint presque l'auteur finalement dans cette question qu'il se pose. On va revenir sur Karl qui voulait répondre à une question. Et puis après, on redonnera la parole à Paul et Martin qui représentent un établissement qui a beaucoup aimé ce livre et vont peut-être nous dire aussi pourquoi. Paul pourra s'exprimer aussi. Je voulais revenir sur l'identité de M. Piccalini. Donc justement, qu'on ne sache pas qui est M. Piccalini, est-ce que ce n'est pas ça plutôt la magie du roman qui opère dans ce livre ? Se dire qu'on va se laisser porter par l'imagination de qui est M. Piccalini, alors qu'on ne sait pas du tout qui il était, il y aura plusieurs interprétations. Est-ce que c'est pas ça finalement la magie du roman et ce que François-Henri des Arables, pardon, a voulu nous faire passer? Je pense que tu as pas tort dans ce que tu dis, mais du coup alors faut vraiment rentrer dans cet imaginaire pour quelqu'un qui puisse imaginer. Et les personnes qui ont dû aimer ce livre, c'est ceux qui ont eu l'imagination et qui ont pu rentrer dans le monde de cet auteur. Du coup, Oui, vas-y Noah. Je pense que c'est pas que un livre donc imaginaire, mais il y a aussi beaucoup de recherches. Donc je pense que avant la recherche du personnage, c'est juste la recherche sur le contexte déjà. Donc ce livre, c'est plus un voyage dans le temps. Et sur l'identité de Monsieur Piccalini, ça servira à quoi de... Genre, la dernière ligne, ce serait oui, il a existé. C'est tout. Donc, en fin de compte, c'est mieux qu'on ne sache pas qui c'est. Je rejoins Noah. Ok, Paul. Allez, Paul, est-ce que tu peux nous porter un petit peu la parole de ta classe ?
Je suis d'accord, Monsieur Pichelny, qu'on sache pas qui il est, ça laisse porter l'imagination. Rien que l'auteur, déjà, il imaginait ce que le personnage pourrait être. Monsieur Pichelny, tout ce qu'on sait, c'est que c'est deux pages du livre La promesse de l'aube de Romain Gary. Et avec cette base, l'auteur, il réussit à imaginer toute une vie. Il était barbier, il allait dans les camps de concentration. Et du coup, qu'on sache pas qui c'est, ça laisse porter l'imaginaire. Pour qui sait, Monsieur Pichelny, ça peut être qui on veut finalement. Oui, Camille. Oh, Caroline, pardon. Nous, dans notre classe, on a personnellement trouvé que il prend un prétexte sur Romain Gary avec son roman La promesse de l'eau, où il évoque Monsieur Pichelny. En fait, du coup, François-Henri Désérable veut plutôt parler de Romain Gary, de sa vie. Qu'il invente toute sa vie. Enfin, on ne sait jamais vraiment qui l'a rencontré, s'il a vraiment dit à toutes les personnes qu'il a rencontrées, s'il a vu qu'il a évoqué M. Pichelny auprès des personnes qu'il a rencontrées. On ne sait pas tout ça. Et du coup, il fait plein de recherches sur ça. Et dans notre classe, on a plutôt trouvé que c'était ça la vraie histoire du livre. Ok. Personnellement, je te rejoins sur ce point et sur le point du voyage dans le temps. Je pense que ce livre, c'est un voyage dans le temps et également à travers les écrits de Romain Gary. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi de se poser cette question. Il voyage à travers les archives, les écrits de Romain Gary, à travers l'Europe aussi, quand il va, je ne sais plus, en Lituanie. Enfin, c'est toutes sortes de voyages qui sont, je pense, intéressants. Je te rejoins sur ce que tu as dit tout à l'heure, Camille, par rapport à l'écriture du roman. Oui. Je ne vais pas critiquer l'auteur, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout aimé la façon dont il a écrit le livre, parce que c'est difficile à comprendre, on se perd vachement en fait, dans la lecture. Ce qui est dommage, parce qu'au fond, l'histoire, elle est intéressante, c'est une bonne histoire. Et du coup, voilà, je voulais faire un point sur ce que tu avais dit. Alors, on ne va pas tarder à conclure sur ce livre, parce que le temps qu'il nous a apporté est bientôt terminé. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose et veut rajouter à cet entretien sur ce livre? Karl, vas-y, commence à prendre la parole, le micro arrive. Est-ce qu'au final, parle bien fort. François-Henri Désérable, il ne veut pas remettre, si je peux me permettre, au goût du jour le travail d'écrivain? Parce que le travail d'écrivain, c'est avant tout un travail d'enquête et de recherche. Et là, est-ce qu'à travers son roman, François-Henri Désérable, il veut pas nous faire voir tout le travail exceptionnel de recherche documentaire avant d'écrire son roman. Vas-y, Angélique. Au final, moi, je trouve qu'il fait des recherches, certes, le temps qu'il consacre, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, justement, parce qu'au final, ces recherches, elles servent un petit peu à rien, parce que le but... Enfin, on ne voit pas vraiment où il est. Kaïssa. Alors moi, je trouve que pour que le livre soit totalement exploité dans son intégralité, il aurait fallu savoir déjà qui est Romain Gary. Il aurait fallu aussi lire ses œuvres, comme notamment La promesse de l'eau, pour bien comprendre, je pense, l'intégralité de l'œuvre. Ainsi, j'aimerais donc rajouter qu'en effet, on ne connaît pas M. Pichelny, mais moi, je trouve que ça donne de l'originalité, justement, à l'œuvre. Et donc, par conséquent, enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais je trouve que c'est une chute, quand même. Parce que M. Pichelny a fait toutes ses recherches, mais au final, il les a fait en vain. Il ne connaît pas le personnage. Enfin, il ne connaît pas M. Pichelny. Donc je trouve quand même que ça donne une part de mystère à l'œuvre, tout simplement. Ça donne une part de mystère à l'histoire. Même si je n'ai pas voté pour cette œuvre. Mais bon, voilà. On va arrêter sur cette conclusion, parce que je crois qu'effectivement, dans les livres que vous avez dans la sélection, il fallait aussi avoir une certaine culture, puisque en fait, Romain Gary... on perd sans doute une partie de la... Quand on lit,
quand on lit cet ouvrage, si on ne connaît pas Romain Gary, c'est un petit peu compliqué. Et c'est sans doute aussi la même chose pour l'ouvrage suivant, qui est La disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guèze, dont vont nous parler Anaïs et Camille, et qui vont lancer une question. Alors, je le rappelle, cet ouvrage a donc obtenu le prix Renaudot national. Donc, on avait la chance de l'avoir dans notre sélection cette année. Et il ne sera pas retenu par vous, puisqu'on ne donne pas la même année le prix Renaudot national et le prix Renaudot des lycéens, même si... ce que l'on verra au cours des discussions, vous l'avez adoré. Malheureusement, voilà, pour cet auteur, il ne cumulera pas les deux récompenses. Mais on va quand même en parler, parce que je crois que c'est un ouvrage qui était dans votre sélection. Donc vous l'avez lu, et jusqu'à il y a peu de temps, vous ne saviez pas qu'il allait être primé. Donc, à toi, Camille. Eh bien, du coup, je vais pouvoir enchaîner directement avec la question. Que pensez-vous de ce livre qui vient d'obtenir le prix Renaudot national? Oui, Pierre. Personnellement, je trouve que ce livre était plutôt bien parce que ça nous met dans un contexte historique de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est réellement passé dans les camps de concentration. Puis on peut... Et puis Joseph Mengele, je trouve qu'il a très peu de regrets par rapport à ce qu'il a fait. Il est plutôt même fier de ce qu'il a fait. Il dit qu'il l'a fait pour l'Allemagne. Il est très clairement pour Hitler. Il trouve que Hitler, c'est comme un guide, très clairement. Et puis, même devant son fils, il dit qu'il a fait ça pour l'Allemagne, pour le bien de l'Allemagne, malgré tout. Pour ma part, je pense que... Quel que soit notre avis sur ce livre, on peut saluer le très grand travail de recherche quant à l'histoire de Joseph Mengele. Donc, je trouve que c'est un travail exceptionnel, mais j'ai pas forcément apprécié ce livre pour la raison que je trouve que la manière dont il est écrit, la manière dont tout ça est amené, en fait, c'est très lourd comme style d'écriture, c'est très... très plombant. Alors peut-être que certains justement auront apprécié ça, mais moi j'avais l'impression d'être dans une parenthèse un petit peu morbide et il n'y avait pas de temps de répit dans ce livre, et c'est pour ça que je l'ai un petit peu j'ai eu un petit peu de mal. Oui, Pierre. Nous dans notre classe on a à peu près pensé la même chose que toi sur le fait que la manière d'écrire, donc le style d'écriture, il y en a même quelqu'un qui a dit que c'était sous forme de journal un petit peu. C'était comme s'il nous racontait des faits divers. Et le fait, par contre, pour moi, qui est quand même bien, c'est qu'il n'a pas pris parti dans ce livre. Et que ça a dû être très dur pour lui, du coup, de d'écrire ses faits sans prendre parti. Voilà. Oui, vas-y, Louise. Alors, je suis pas du tout d'accord. On ne peut pas dire que... D'abord, je trouve pas que l'auteur n'est pas pris parti. À un moment, il utilise un humour très noir. Par exemple, à un moment, je crois que c'est vers le début du livre, où il dit que Joseph Mengele n'est plus très bien, il n'est plus très bien en forme. Alors du coup, ça va bien le réconforter. Et à un moment, il dit Joseph Mengele et... Enfin, Joseph et Iris... sa femme, son ex-femme après, cueillait des baies dans les bois, des juifs étaient en train de mourir, je sais plus ce qu'il faisait, des juifs étaient en train de brûler dans des fours crématoires, c'était un humour hyper noir, et pour moi, ça montre qu'il prenait parti, et qu'il montrait que pendant que Joseph Mengele était en train de s'amuser avec sa femme, des gens mouraient, et c'est une manière de dénoncer, on peut pas dire qu'il a pas pris parti. Et aussi, avec cet humour noir, on peut pas dire qu'il a, comment dire, que c'était écrit sous forme de journal. Je trouve pas du tout que c'était écrit sous forme de journal. Il utilise un humour noir. Moi, j'ai l'impression qu'il était assez, rancunier sur ce personnage.
enfin, c'est normal d'être rancunier pour ce personnage, mais vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine haine envers ce personnage, que c'était normal qu'il lui arrive ça. C'était effectivement bien fait pour lui, mais on ne peut pas dire que le style d'écriture ait été neutre. Oui, Noah. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Le style était quand même vraiment très neutre. Parce que l'humour, c'était pas vraiment de l'humour, c'est juste qu'il racontait les faits, mais en les opposant avec sa vie à Mengele. Donc, mais c'était quand même neutre. Donc, voilà. Karl voudrait parler. Bah, moi, je voudrais souligner le travail d'Olivier Guest, parce que vraiment, quand on lit le roman, on a vraiment l'impression que Olivier Guest joue avec nous. On a l'impression qu'on est une sorte de pantin. Parce que quand on voit Joseph Mengele, on ne peut pas exprimer de la pitié pour lui, parce que ce qu'il a fait, c'est horrible. Mais d'une certaine manière, on va avoir envie de prendre pitié. Mais vu son passé, vu ce qu'il a fait, on se dit non, je ne peux pas prendre pitié pour une ordure pareille, en fait. Donc il y a vraiment un travail remarquable d'Olivier Guest, de la façon dont il joue avec nous sur notre mental. Et ça, je trouvais que c'était vraiment horrible pour le lecteur. Mais je souligne ce travail parfait. Oui, Pierre. Je rejoins totalement ce que tu viens de dire, Carmen. Parce que c'est vrai que ce travail est vraiment remarquable. Moi, personnellement, ça m'a éclairé sur cette période de l'histoire que je ne connaissais pas vraiment. Cette traque des ex-nazis, et puis ce docteur de ce camp d'Auschwitz. Et puis après, oui. On essaie de prendre de la pitié pour lui, mais finalement, quand il confesse à son fils qu'en fait il a aucun remords, aucune pitié, enfin, oui, aucun regret sur ce qu'il a fait, c'est dur, enfin, de l'accepter. C'est quelque chose qui gêne, ça. On aimerait qu'il dise qu'il est désolé, qu'il regrette, mais non, il n'en démord pas. Il est dans cette idée de j'ai fait ça pour l'Allemagne. On voit à quel point il est endoctriné par ça. Et je pense que ça a dû en gêner quelques-uns. Après, je ne sais pas. Disons que moi, je tiens à souligner le travail qu'a fait Guest, comme Karl l'a dit. Parce que je trouve qu'il a très bien amené le sujet. Il a une très très belle écriture et il allie vraiment l'histoire, le personnage de Mengele, tout en étant romancé. Donc oui, il joue avec nous. Il est également, il écrit en fait tellement bien qu'on se prend dans l'histoire et qui, je dirais pas qu'il prend parti, mais disons que il amène pour nous une certaine pitié et en même temps, bah oui, il joue tout un travail sur le lecteur. Et il joue sur notre conscience un peu parce qu'on se dit oui, c'est terrible, mais en même temps, il nous fait ressentir un peu de pitié pour lui parce que Mengele, il subit plein de choses après. Mais notre conscience à nous, il nous met une pression mentale. Et bah, ça nous fait dire, est-ce qu'on a le droit d'avoir pitié sur un homme humain ou est-ce qu'on n'a pas le droit parce qu'on sait qu'il a été un monstre. Voilà. Très bien. Vous avez une réponse à cette question. Et de ce côté-là, ça ne parle pas beaucoup pour l'instant, ça parle beaucoup de ce côté. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est le dénouement de l'histoire. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il meure noyé comme ça sur une plage. Je m'attendais à ce que les hommes du Mossad, non, le rejoignent et le tuent, enfin, que la traque se finisse. Mais même pas. Enfin, voilà, je trouvais que le dénouement était inattendu. Moi, je trouve que ça le punit un petit peu, Joseph Mengele. Parce que s'il avait été vraiment tué par les Mossad, ça aurait mis un terme à cette pression psychologique qui se met parce que il devient un peu fou quand même. Il devient paranoïaque, il est complètement en dehors de la réalité à la fin parce que il a l'impression qu'on le recherche tout le temps. Et en fait, qu'il meurt un peu de lui-même, et il a été jusqu'au bout de sa punition parce que ça c'est sûr on l'a pas trouvé, mais il s'est puni tout seul parce qu'il a détruit sa famille, il a détruit sa vie et il s'est détruit lui.
Et du coup, c'est ce que je voulais te dire après. Mais oui, je rejoins Anaïs sur le fait qu'il ne s'est peut-être pas fait puni par la justice, il n'a peut-être pas été attrapé, mais vu le personnage que c'est devenu à la fin du roman, je pense que lui-même, il s'est puni tout seul à devenir parano comme ça, à voir le danger partout. Je pense que c'était sa propre punition. Et, Ah, Noah, tu voulais dire quelque chose? Ah non. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, Camille et Anaïs, parce qu'il meurt misérablement et il a toujours voulu de la grandeur, il a toujours fait pour être grand. Et en fait, sa punition, bah, le fait, il est, pour lui, ça aurait peut-être été une acceptation d'avoir été retrouvé en fin de compte, parce qu'on aurait parlé de lui, ça aurait fait la une des journaux. Et en fait, le fait qu'il soit mort misérablement comme ça, tout seul, bah, ce qui fait qu'en fait, il s'est puni tout seul en fin de compte. Sa mort a vraiment été... tellement misérable pour lui que même je pense que si il avait pu penser après, il serait dit mais pourquoi je suis mort comme ça finalement. Aurélie, je voudrais juste soulever une question. Est-ce que cette mort misérable qui est quand même due à la pression psychologique, c'est pas quand même l'achèvement de la traque justement? Jules, Ludivine, Tanguy, vous avez une opinion sur ces livres ou votre classe avait une opinion? Moi, je trouvais très très bien le côté historique, parce que on apprend énormément de choses sur la Seconde Guerre mondiale et qui était cet homme horrible qui faisait comme des expériences sur ces pauvres personnes qui ont déjà été massacrées, qui en plus ils les ont torturées à travers ce Joseph Mengele. Donc j'ai vraiment trouvé ça horrible. Mais d'un certain point de vue aussi, on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas forcément, qu'on n'apprend pas forcément au cours d'histoire, par exemple. Et donc on l'a retrouvé dans ce livre. Oui, Camille. Je suis assez d'accord avec toi parce que ça apporte un peu de nouveauté, parce qu'on a eu quand même beaucoup de livres sur les Juifs, sur ce qu'ils ont subi, mais on n'a pas énormément de livres qui parlent de qui étaient ces personnes-là qui faisaient subir aux Juifs. Et le fait que là, on sache ce que le médecin a fait, bah, ça apporte une nouveauté dans l'histoire, quelque chose de nouveau, un point de vue nouveau. Personnellement, je te rejoins totalement sur ce point. Avec ce livre, Olivier Guette, il ouvre vraiment un autre univers qu'on ne connaît pas, parce qu'on a beaucoup étudié la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, mais il ouvre cette traque d'après, qui au final, est, je pense, c'est vraiment une partie de la guerre, parce que c'est l'après-guerre, c'est une forme, la finalité de cette guerre et de ses monstruosités. Et je trouve ça vraiment intéressant que justement avec ce livre, il nous ouvre la traque d'après et la vie d'après d'un de ces criminels. Non, je suis totalement d'accord avec vous. Après, nous, on a eu beaucoup de débats là-dessus, du fait qu'on a cette possibilité d'apprendre aujourd'hui, juste parce que ce livre fait partie de la sélection. Mais il existe déjà énormément de documents, notamment beaucoup de reportages Arte, sur la traque des nazis, sur l'après-nazi, sur l'idéologie nazie, sur leurs expériences, leurs expérimentations... tout leur développement technologique. Donc en fait, si on s'intéresse à l'histoire de notre propre personne, je pense qu'on peut déjà faire un gros travail de recherche et d'apprentissage. Là, le fait d'avoir le livre dans la sélection nous permet de découvrir ceci. Mais je salue le travail d'Olivier Guèze, mais il existe exactement le même reportage sur Arte, et ça nous a un peu rappelé ça, le fait de l'avoir montré par exemple à notre classe, ça a remis un peu en cause le travail de recherche, même s'il est énorme. Le fait que ce soit peu connu du grand public, on dit que c'est fabuleux et tout ça, mais il existe déjà des reportages bien poussés et bien travaillés là-dessus. Bon, Noah, tu vas pouvoir conclure parce qu'on va changer de livre. Bah, je suis d'accord avec toi, mais la plupart des reportages, en fait, ils sont vus du point de vue du Mossad et de l'Europe d'après-guerre. Donc vraiment avec la rancœur contre le nazisme, alors que là, c'est vraiment plus le point de vue de Joseph Mengele. Donc, je trouve que ça faisait un peu opposition justement au reportage. Voilà, on va changer de livre maintenant. Et bien, du coup, on va changer de livre et on va arriver à un livre sur un fait divers avec la SERP.
Et avec ma question, que pensez-vous que ce livre qui vient d'obtenir le prix Fémina, parce que la SERP a obtenu le prix Fémina hier. Julia, par exemple, vous avez choisi ce livre. Que pourriez-vous en dire? Ou Alissane? Alors nous, avec notre classe, on a trouvé que le livre était écrit avec une bonne dose d'humour, déjà pour commencer. Et on a aussi relevé un style d'écriture assez particulier. Je ne sais pas si vous avez vu les parenthèses. Il met des parenthèses absolument partout, des parenthèses dans les parenthèses. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça donne aussi on a envie de s'accrocher pour essayer de comprendre. Et je trouve que ça peut faire durer l'envie de lire et de continuer le livre. Oui, vas-y, Angélique. Moi, en fait, ce qui m'a gênée dans ce livre, c'est que justement, il y a trop de descriptions. Et ce trop de descriptions, en fait, ça donne pas envie de finir le livre. Vraiment, ça m'a pas donné envie de connaître le pourquoi du comment. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes arrêté très vite de le lire dans votre établissement? Ou oui. Toi, personnellement? Presque tout le monde, en fait. D'accord. Camille? Bah, du coup, moi, je te rejoins parce que la description m'a aussi beaucoup dérangée, surtout dans la première partie du livre. Après, quand on arrive au moment du meurtre et au moment du procès, le livre commence à devenir intéressant parce qu'on rentre réellement dans ce qui s'est passé. Mais au début, c'est vrai qu'il faut s'accrocher et que j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai failli abandonner aussi. Avant d'arriver au niveau de l'enquête. Oui, avant d'arriver réellement dans l'enquête. D'accord. Pierre? Nous, dans notre classe, c'était un peu pareil. Il doit y avoir que deux ou trois personnes qui l'ont vraiment fini. Parce qu'on s'est beaucoup perdu avec les parenthèses dans les parenthèses, comme tu disais. Et c'est vraiment. Et du coup, il y a quelqu'un qui l'a lu, il a dit qu'il fallait attendre 400 pages pour vraiment qu'on rentre dans le cœur du procès. Et encore, quelques détails. Et nous, c'est vraiment cette grande longue description qui nous a assommés vraiment. Surtout dans cette sélection où il y avait beaucoup de livres descriptifs. Alors, est-ce que tu peux, toi, de ton point de vue, expliquer pourquoi cet usage des parenthèses, puisque vous le relevez tous les deux avec Alison, est-ce que tu peux, est-ce que tu as une interprétation? Peut-être il a utilisé les parenthèses pour inclure des détails auxquels il n'avait pas pensé avant. Et du coup, dans les parenthèses, il remet ce qu'il lui pense. Et c'est ce fait qui me perd, moi, totalement. Alison, tu as la même interprétation sur l'utilisation des parenthèses? Non, moi, je pense que c'est plus un jeu de sa part. Moi, je prends ça comme un jeu. Il s'amuse vraiment à écrire son livre. Et non pas à l'écrire parce que... Il ne fait pas que raconter une histoire, c'est ce que tu veux dire? Oui, il s'amuse à l'écrire. D'accord. C'est un parti pris, donc? Oui. Ok. Angélique? Bah moi, justement, je trouve que c'est peut-être un jeu pour lui, mais il n'aurait peut-être pas dû tant jouer que ça. Parce que du coup, le lecteur, il se perd. Très bien. Lila? Non, c'est... Léa. Léa, pardon. Alors moi, je pense que c'est-à-dire qui donne des il rajoute des choses dans son livre qui ne devaient pas y être, comme si vraiment il rajoutait des choses, tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qui pouvait lui venir, il le rajoutait dans son livre. Donc pour moi, ça m'a un peu... Je ne sais pas si c'est juste mon opinion à moi, mais ça m'a troublé un peu. On va voir l'opinion de Sarah qui est ta voisine. Moi, je peux comprendre que ça vous a un peu découragé de voir tous ces détails, les parenthèses, tout ça, ça fait un peu peur. Mais je suis pas d'accord parce que c'est quand même un polar. Donc on est obligé de passer par un certain nombre de détails et d'informations pour pouvoir comprendre l'enquête et le meurtre. Et souvent, pour comprendre une enquête, ça tient qu'à pas grand-chose, qu'à des petits détails qui vont nous dire « Ah ben finalement, c'est lui le meurtrier et pas un autre ». Et il faut, je pense que dans toutes nos lectures, on ne fait pas assez attention à ces détails. On est trop évasif, des fois on lit peut-être trop vite. Et des fois, il y a une phrase, on devrait peut-être la lire
deux, trois fois avant de bien la saisir et de se rendre compte que ah oui, ben, ça veut dire plus que juste ces mots-là. Et même dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, je sais pas, maintenant, quand on dit un bonjour ou un merci, on a l'impression que c'est toute une... Enfin, on est heureux quand quelqu'un nous dit bonjour ou un merci, mais finalement, c'est normal de dire bonjour et merci, mais alors que c'est qu'un détail. Moi, personnellement, quand je lis un livre, je fais très, très attention aux détails et c'est ça qui me dit si le livre est bien. Aurélie, s'il te plaît. Alors, je suis d'accord. Dans un polar, les détails ont toute leur place. Cela dit, est-ce qu'on a vraiment besoin des énumérations de lieux et de personnes? Parce que vraiment, c'est vraiment ça qui m'a dérangé, c'est qu'on se perd un peu dans l'arbre généalogique et dans les lieux. Pour en revenir à la vie de l'auteur et des détails qui ont été ajoutés, est-ce qu'on avait aussi besoin, dans ce livre-là, pour l'intrigue, des passages notamment à la station-service? Ludivine. Personnellement, avec ma classe, nous ne l'avons presque pas fini parce qu'on trouvait le détail, ça n'accrochait pas. Du coup, il y a des gens non plus qui ne l'ont pas lu. C'est vrai que l'histoire commence vers le milieu du livre, mais sinon l'histoire est bien en elle-même si on passe des détails. Jules. Mais en même temps, quand l'auteur va écrire le livre, j'étais d'accord avec le fait qu'il écrivait ce qu'il pensait. Mais en fait, j'avais l'impression, quand j'ai lu le livre, qu'il écrivait un peu tout ce qui lui passait par la tête, c'est-à-dire toutes ses idées, etc. Mais il était déjà brouillon. Du coup, il a essayé un peu de les expliquer et les allonger, ce qui a fait un livre extrêmement long et qui peut en décourager certains. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de détails, c'est assez précis, il y a des choses qui pourraient parfois ne pas y être. Par contre, au début du livre, l'auteur fait tout un paragraphe pour nous expliquer que si, justement, il va mettre tous les détails parce qu'il a envie de raconter toute l'histoire du début à la fin, et ça, même les choses qui sont inintéressantes. Même si au final, ça en décourage, ça m'a un peu ennuyé sur certains points, des choses comme ça, et même si, je veux dire, des grosses bribes du texte, et parfois j'ai lu très rapidement et très... Enfin, c'était un livre que j'ai trouvé assez brouillon, même s'il était assez bon en soi, il avait de bonnes idées. Merci pour ton témoignage. Camille. Je voulais savoir, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais moi j'avais l'impression que Philippe Génada, il était à côté de moi et il me racontait l'histoire. Enfin, avec ses descriptions, avec la façon dont il parlait, j'avais l'impression qu'il était à côté de moi et que il me racontait l'histoire et que j'écoutais et voilà. Anaïs. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, très personnellement, m'a beaucoup plu. Par exemple, qui me raconte des détails qui paraissent un peu inutiles. Je trouve que ça apporte quelque chose au texte. Et ça m'est arrivé de me mettre à rire parce que c'était complètement saugrenu par rapport à ce qu'il disait au début. Et ça me plaisait. Moi, je me suis mis à rire toute seule devant mon livre, à être pliée en deux. Et ça m'a beaucoup plu. Ou par exemple, quand il nous raconte en détail, quand il y a un de ses pneus qui n'est pas bien gonflé et tout, à la station-service et tout. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alison. Tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Vous avez tous évoqué le fait qu'il y ait beaucoup trop de descriptions. Vous ne pensez pas que sans cette description, il vous aurait manqué quelque chose? Enfin, ça m'a permis personnellement exactement de voir l'idée dans ma tête, de me faire vraiment le film avec tous les passages, tous les détails, comme si je le vivais moi-même. Et vous ne pensez pas que sans tout ça, vous ne l'aurez pas perçu comme ça?
Angélique, tu veux répondre ? Je pense qu'on aurait pu le percevoir comme ça, mais avec moins de descriptions quand même, justement. Parce qu'il y a certaines descriptions, je vois pas son utilité. Voilà. Louise ? Chaque description a peut-être son importance. Moi, je pensais le contraire, mais effectivement, c'est un polar, donc on a besoin des descriptions, etc. Mais c'est vrai qu'on s'y perd quand même avec toute la famille. À un moment, il parle du père du personnage principal. On part vraiment loin, et je pense que, tout ça, ça aurait été bien si ça avait été, organisé, peut-être, je sais pas, avec un arbre généalogique au début du livre ou quelque chose dans ce genre pour nous aider, parce que au final, on a tellement de détails qu'on sait plus qu'est-ce qui est quoi. Oui, vas-y, Sarah. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, si. Le fait qu'il y ait des détails très abondants, je peux totalement comprendre qu'on peut s'y perdre, vraiment, c'est... Ça peut paraître logique, mais moi, je suis d'accord avec Anaïs. Moi, je me suis retrouvée à rire face à ces pages, mais au début, mais quand il raconte là son pneu, qu'il dit « Mais pourquoi ça m'est pas arrivé avant de partir ? Enfin, ça peut arriver qu'à moi, tout ça. » Moi, j'avais l'impression d'être dans sa voiture et de me dire « Oh non, j'ai mon pneu et tout, comment je vais faire ?» Enfin, bon, moi, j'ai vraiment adoré ce petit passage. Et je pense que l'auteur, Philippe Janada, c'est sa façon à lui de se dire, bon, allez, je vais les saouler avec plein de détails, mais je vais quand même garder une touche d'humour et garder mon fil conducteur. Et c'est pour ça, je pense que l'épisode de la voiture, de la station-service, ça revient souvent pour un peu qu'on prenne l'air, qu'on sorte de l'enquête et que, voilà, que ce soit de la légèreté et qu'on puisse un peu respirer, sortir de ces parenthèses un peu et se dire, bon, allez, je fais le plein et après je repars et je continue l'histoire. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. On va être bientôt obligé de clore sur ce sujet, mais je vois qu'il y a encore des prises de parole. Donc Mathieu, puis Pierre, et ensuite pour terminer, ce sera Angélique. Alors, je rejoins totalement sur ce point de quand il est dans le présent, c'est on souffle un petit peu, on sort de ces grandes parenthèses un petit peu plombantes. Maintenant, on a parlé beaucoup de la forme de ce livre, on a parlé des parenthèses, on a parlé de la description, mais on n'a pas du tout évoqué le fond. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de l'auteur de rétablir l'égalité? Parce qu'Henri Gérard s'est fait accuser quand même relativement à tort. Est-ce qu'il n'a pas une certaine volonté, un certain message à faire passer à travers ce livre? Parce qu'on parle que de la forme qu'il prend, son style d'écriture, tout ça, mais on n'évoque pas du tout le fond, en fait. Oui, Pierre. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que là, on a vraiment parlé de la forme, mais l'intrigue en elle-même, on l'a pas évoquée. Et ce qui était... L'intrigue est vraiment super parce que au début, Henri Gérard, il paraît vraiment coupable. Et puis à peu, on rentre, on voit que les policiers parfois ils mentent pour que ça soit plus facile pour eux en fait. Et que finalement, on débouche sur une toute autre chose. Le voisin qui finalement en fait était jaloux, il a formé tout ce crime contre Henri Gérard et. Et puis on voit vraiment une erreur judiciaire importante qui était cachée jusque-là. Allez, Pierre, on va rajouter, on va l'intercaler avant Angélique. Mais moi, je me pose la question, justement, si le surplus de description n'a pas caché cette intrigue qui pouvait, du coup, faire paraître intéressant ce livre. Voilà. Moi, du coup, je pense que c'est une histoire de goût et de la volonté de continuer de lire. Enfin, j'ai pas entendu, excuse-moi. C'est une histoire de goût et il y a la volonté aussi de vouloir continuer de lire. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce livre ? Non. Donc, pour vraiment tenir le temps, on va passer maintenant au dernier livre. Donc, Anaïs va nous présenter Toutes les familles heureuses. C'est donc encore une histoire de famille. Mmh. Hein, et puis d'arbre généalogique, hein, puisque là, par contre, il y a l'arbre généalogique au début. Hein. Alors, on va parler de Toutes les familles heureuses. Et je vais commencer par vous lire une citation qui est au tout début du livre. La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Jalal al-Din Rumi.
Et la question que je vous pose maintenant, c'est: pensez-vous qu'Hervé, écorché et blessé par sa famille et tout ce qui l'entoure, a été pénétré par cette lumière? Julia, veux-tu donner ton opinion? Alors moi, pour ce livre, j'ai beaucoup aimé toutes les petites citations que tu as vues chaque chapitre. Je trouvais ça devenait mystérieux. Après, dans notre classe, ils ont beaucoup trouvé que, par rapport au livre, on avait plus à s'imaginer l'histoire, parce que ça reflétait un peu par rapport à nous, parce que ça nous aidait à plus comprendre l'histoire. Et... Oui, Pierre. La vie de notre classe, ce qu'on a beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'en fait, l'auteur, il raconte ce qu'il a vécu avec beaucoup de recul, et ça nous permet à nous de nous faire notre propre avis. Il nous impose pas, en fait, son point de vue. C'est à nous vraiment de faire notre avis sur cette histoire, sur ce qu'il a vécu. Oui, Sarah. Donc dans cette sélection, on a beaucoup de livres qui parlent de la famille. Comparé au Fou du Roi, par exemple, dont on a parlé un peu plus tôt, où vraiment pour lui, c'était peut-être une sorte de thérapie de parler de sa famille, de ce qu'il y avait à son père. Ici, je pense que Hervé de Séguier, ça n'a pas du tout été ça pour lui. Ça n'a pas été une thérapie, une vraie blessure. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il a reçu une critique comme quoi, un critique lui a dit « Oui, pour vous, ce livre, ça a été une thérapie pour un peu pardonner à votre mère, à votre beau-père. » Et lui a répondu que non, que son livre, en fait, c'était parti de la phrase que sa mère a eue. Donc là, c'est le dernier chapitre, le chapitre 18, lorsque sa mère voit un couple âgé. Et elle répond en disant « Mais, excusez-moi de l'expression, mais c'est marqué dans le livre, mais quel con !» Comme quoi l'amour, c'était qu'une bêtise, c'était stupide. Et Hervé Le Tellier est parti de là et après, ces chapitres se sont construits au fur et à mesure. Oui. Aurélie. Alors justement, moi, je voudrais parler des sentiments qui sont exprimés dans ce livre. Et c'est peut-être le recul dont Pierre parlait tout à l'heure qui... Je ne vais pas dire que ça m'a gênée. Ça m'a donné du mal à cerner le personnage parce que parfois, on a l'impression qu'il a un peu souffert, mais quand on lit le livre dans son intégralité, on se rend compte que non, pas tant que ça, en fait. Il a été plutôt heureux. Et du coup, je ne sais pas trop que penser des émotions de l'auteur qui, d'ailleurs, au début du livre, se demande s'il était un monstre. Oui, Mathieu. Moi, personnellement, pour répondre à ce que tu as dit, dans ma classe, au contraire, il était dit que ce livre a beaucoup été perçu comme un cri du cœur, justement, et comme le fait que l'auteur a besoin de mettre des mots sur son vécu. Alors, après, il en tire une certaine sagesse. C'est pour ça qu'on peut l'interpréter comme avec beaucoup de recul et comme, finalement, juste une histoire, comme ça, une construction après la phrase de sa maman. Mais... En tout cas, dans ma classe, ça a été beaucoup, beaucoup interprété comme un cri de sentiment et une sorte, pas forcément de thérapie, mais juste avoir besoin de mettre des mots sur une expérience. Oui, vas-y, Louise. Et en plus, à la fin du livre, il le dit que son père est mort, son beau-père également, sa mère, il le dit, est folle, et donc il dit qu'il n'aurait pas pu écrire ce livre avant, qu'il ne l'écrit que maintenant, parce que les personnes dont... Il en dit pas du mal, mais il ne les complimente pas non plus. Les personnes qui pourraient lui en vouloir d'écrire ce livre ne le liront jamais, donc... quand même, c'est peut-être pas une thérapie, mais je sais pas, j'ai trouvé comme un moyen de se libérer d'une certaine façon de son histoire familiale sans qu'on puisse lui reprocher. Flavie, vous, dans votre classe, vous aviez aussi choisi toutes les familles heureuses. Pour quelle raison? Parce que, après, c'est quand même une histoire un peu libérée. Il nous raconte sa vie, il n'a pas eu une vie facile. Enfin, il touche un peu les lecteurs quand même. Enfin, on a eu l'impression qu'il cherchait à nous toucher
même si c'est pas le but principal, bah, au final, il y arrive quand même. D'accord. Samuel, pourquoi vous ne l'aviez-vous pas choisi ? Parce que ce qui est dérangeant dans le livre, c'est un peu déjà le vocabulaire. Parce que le vocabulaire est quand même cru. Puis bah, aussi, le fait qu'il soit tiraillé entre toute sa famille, il leur pardonne, mais sa famille le rejette en fait. D'accord. Il y avait Ilona aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé à Émile Roux ? On l'a quand même relativement bien aimé, celui-ci, même si bah, du coup nos deux autres choix, ils n'en faisaient pas partie, parce que ça abordait différents thèmes que nous, on peut aussi avoir, comme la construction d'un enfant par rapport à ses parents, par rapport à ce qu'il vit. Donc voilà, donc on l'avait quand même plutôt bien aimé. D'accord. Et Blandine, oui ? Dans notre classe, nous avons vraiment beaucoup aimé l'histoire. C'est vrai que l'auteur raconte et décrit sa famille sans se plaindre. Il se plaint jamais. Et c'est vraiment ce côté-là qu'on a apprécié. Et il traite avec ironie les personnages et les événements familiaux. D'accord. Kaïssa, tu voulais parler ? Ah, pardon, vas-y. Nous, ce qui nous a vraiment beaucoup plu, c'est le langage. Pas vraiment. Il se prend pas vraiment au sérieux, quoi. C'est pas du langage soutenu. Ça va plus vers le familier, un peu. Mais c'est facile à lire. Donc, voilà. Et aussi, on peut se voir, peut-être, dans certains cas familiaux, à travers l'histoire qui est toutes les familles heureuses. On peut ressentir peut-être ce que nous on a vécu et donc mieux percevoir ce que ressent l'auteur. Oui, vas-y Camille. Du coup, moi je pense que le titre aussi, Toutes les familles heureuses, est initiateur. Parce qu'au début du roman, on pense que Hervé Le Tellier déteste sa famille, qu'il l'aime pas, et au fil du roman, bah, on se retrouve que. Bah oui, certes, c'est pas la famille qu'il aurait voulu, mais c'est sa famille à lui. Et du coup, à la fin, il arrive quand même à l'accepter. Je pense que le titre « Toutes les familles heureuses », ça pouvait parler à tout le monde, qu'on a tous des différents dans notre famille, mais c'est pas pour autant que l'on s'aime pas. Oui, Kaïssa. Moi, je dirais que tout d'abord, nous avons énormément aimé ce livre parce que tout d'abord c'est un roman autobiographique, qui dit roman autobiographique donc plus réaliste en soi. Nous avons aussi remarqué que c'est une lecture quand même assez simplissime et rapide, avec notamment des phrases simples et efficaces, mais l'auteur a quand même un style d'écriture particulier, je trouve, personnellement. Puis, dans son livre, il relate son vécu. Ainsi, l'auteur consacre pour chaque chapitre une description de chaque membre de sa famille, en fait. Donc, je trouve que ça donne quand même une certaine organisation au livre. Et donc, le lecteur peut donc se retrouver facilement dans le livre. Il n'est pas perdu comme dans oui, La Serpe ou bien... un certain Monsieur Piccini, voilà. Puis je voulais rajouter que si l'auteur apporte certaines références, notamment musicales, dans un des chapitres, je ne sais plus lequel, et je trouve que ça permet d'apporter une certaine originalité et donc du concret à la lecture. Voilà. Mathieu, tu voulais dire J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Ilona. C'est vrai que l'auteur, il se contente pas d'écrire et de romancer son histoire. Il soulève aussi des questions importantes telles que, c'est au début, l'amour que doit ou non porter un enfant à ses parents. Il le dit, un enfant est piégé et contraint à porter un amour inégalable à ses parents et il comprend pas cette question. Et c'est vrai que c'est tout au début. On peut se poser ces questions, mais c'est vrai que c'est bien qu'il ne se contente pas de faire un constat, mais qu'il soulève aussi après des questions plus profondes et plus poussées.
Oui, Anaïs. Je suis d'accord avec Mathieu. Mais il y a nous, ce qui est ressorti de notre lycée, c'est que le livre avait plu, mais on ne s'en souvenait plus. Parce que ça racontait la vie de famille. Et c'est quelque chose qui nous est tous un peu commun. Et beaucoup disaient, je sais qu'il m'a plu, et je ne me rappelle pas vraiment pourquoi. Parce qu'on compatit avec l'auteur, mais c'est quelque chose d'un peu banal, parce que on n'a pas tous cette extrémité de famille, enfin j'espère, hein. Et on est empathique à cause de ça, mais ce n'est pas quelque chose qui va marquer, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Et je veux aussi rajouter que Hervé Le Tellier, c'est un oulipien. Ça veut dire qu'il se met des contraintes quand il écrit. Par exemple, ne pas mettre de E. Et ça amène une dynamique au livre. Je sais pas si... Quand tu parles de contraintes, il y en a une, par exemple, c'est pas pour rien qu'il a choisi d'écrire 18 chapitres. Je sais pas si vous le savez, mais le chiffre 18, c'est un chiffre kabbalistique. Et ça vient du mot mec, je crois, qui veut dire vie. Et c'est pour ça qu'il a choisi d'écrire 18 chapitres, et pour lui c'était important que ça symbolise la vie, et du coup l'histoire de sa famille vient forcément dans sa vie. Voilà. Paul, pour Victor Hugo, qu'en avez-vous pensé, s'il vous plaît? Moi je prends un peu l'avis d'Anaïs. Le livre nous a relativement... Et finalement on s'en rappelle pas trop, parce que c'est un peu commun à tout le monde. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Les représentants du lycée de Surgères, on va finir pour que tout le monde ait parlé sur cet ouvrage avant de clore la discussion. Surgères, qui n'a pas pris la parole sur cet ouvrage. Moi, j'ai relevé le style d'écriture. Donc, quand j'ai lu ce livre, j'ai été un peu comme perdue, parce que c'est comme des morceaux... des morceaux de puzzle, c'est-à-dire qu'il va nous parler de son adolescence et ensuite va revenir sur quelque chose quand il est né. Enfin, pour moi, ça a été un peu compliqué de le lire par rapport à ce style d'écriture. Merci. Karl, veux-tu conclure sur cet ouvrage? Oui. Donc, nous, notre classe a élu toutes les familles heureuses en premier choix. Car il est vrai que tout le roman est assez pessimiste, mais le dernier chapitre est très optimiste. Donc on en a conclu, nous la classe, une certaine leçon de vie, qu'il faut accepter par exemple que sa famille est comme elle est, et il accepte, il pardonne pour lui avancer dans sa vie. Je ne sais pas si ce que vous en pensez. Ok, ça tu vas pouvoir conclure. Je trouve, je dis peut-être assez tard quand même, mais je trouve qu'il y a quand même un sentiment comme de paradoxalité entre le titre et l'histoire. Parce que toutes les familles heureuses et dans l'histoire, franchement, sa famille a l'air pas si totalement heureuse que ça. Et donc je dirais que ça apporte un petit plus quand même au livre. Il se détache des autres. Et moi, je trouve personnellement, après, c'est mon avis personnel, hein, les goûts et les couleurs, c'est subjectif. On est tous d'accord sur ça. Donc, voilà. Aussi, je voulais aussi parler de la première, la couverture. Je trouve que la couverture est synonyme, elle est blanche, donc elle est synonyme de simplicité, je trouve. Et je voulais aussi rajouter que, en fait, ce livre m'a permis de découvrir une nouvelle passion, la lecture, parce qu'avant, je ne lisais pas beaucoup. Et donc, en général, le prix Renaudot m'a fait découvrir plein d'œuvres différentes et donc m'a permis de découvrir une nouvelle passion que je n'aurais peut-être guère trouvée dans d'autres ouvrages. Voilà. Et ben merci, Kaïsia, pour cette belle conclusion pour l'ensemble de notre discussion. Merci à vous pour votre participation. Et puis, je crois que tout le monde a pu s'exprimer, enfin, je l'espère en tout cas. Comme je disais tout à l'heure,
lors du repas, vous aurez l'occasion de manger tous ensemble, de pouvoir continuer à échanger de façon beaucoup plus libre, si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons procéder au vote. Cependant, pour les spectateurs, on leur rappelle qu'il ne faut pas qu'ils nous quittent, puisque pendant que vous allez voter, la retransmission va être le direct va être interrompu. Cependant, il y a des reportages, des interviews, des rappels des éditions précédentes qui vont être mises à l'antenne. Et pendant ce temps, nous allons voter. Et on se donne rendez-vous aux alentours de 12h15 au restaurant pédagogique du lycée Margaudry pour les interventions des différents partenaires et puis la proclamation des résultats par Anaïs et Camille. À bientôt. Qu'il est effectivement au moins aussi important de pouvoir nourrir l'esprit que le corps, même si ici, dans ces lieux, on a l'habitude de nourrir le corps. Ça a du sens aussi parce qu'on est en lycée professionnel, et ça me semble d'autant plus important, dans un lycée professionnel, que de travailler sur la littérature, hein, et que de faire en sorte que tout le monde a le droit de s'émanciper, hein, en accédant toutes les richesses que l'on peut trouver en littérature. C'est aussi important parce que c'est une action où, comme vous le disiez, ce sont les élèves qui font un choix. C'est vous qui êtes acteur, et c'est important lorsqu'on est lycéen d'être acteur. Donc pour toutes ces raisons, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et je vais laisser la parole à Madame Claire Simon qui représente le rectorat. Alors juste trois mots Bravo. Juste trois mots pour vous féliciter du travail que vous avez accompli, vous les lycéens, pour votre participation à ce prix. Vous les enseignants aussi, pour une raison, quelque chose qui m'a beaucoup marqué ce matin, c'est que on est arrivé dans un lieu pour travailler, hein, parce que pendant que vous travaillez, les élèves, nous aussi, on a travaillé. On a appris tout ce que vous aviez fait pendant ce presque trimestre. Et moi, j'ai été agréablement surprise, comme je le suis à chaque fois, d'entendre parler de littérature et de plaisir, et de bonheur de lire, et de travail autour de l'écriture, mais d'une façon qu'on entend peu à l'école. On n'a pas parlé une seule fois d'évaluation ce matin. Et c'est bien l'évaluation, hein, mais je trouve que c'est aussi bien que la littérature soit au centre et qu'on ait un vrai plaisir à découvrir des livres, à parler d'auteurs, et que ce ne soit pas forcément dans le programme, entre guillemets, même si le programme, là, vous l'avez fait largement déjà. J'ai lu dans un des livres qui était dans la sélection une phrase qui était marquée sur une vitrine et qui m'a beaucoup marquée. Un homme qui lit en vaut deux. Et là, je crois qu'on est très très nombreux aujourd'hui dans cette salle. Oui, bonjour à tous, monsieur le député, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère académique, madame la présidente, mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves. Voilà, moi, effectivement, au-delà du LEP, c'est vraiment un réel plaisir de vous accueillir dans notre belle cité de Loudun. Cité de Loudun, cité de Théophraste Renaudot. Loudun, c'est une petite ville de 7000 habitants, hein, qui est aux confins de quatre départements et donc de trois régions,
et nous sommes vraiment la porte d'entrée de cette grande région, la Nouvelle-Aquitaine. Mais je suis ravi également d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, c'est devenu un moment incontournable. Donc la proclamation du lauréat du prix Renaudot des lycéens. Et je crois que là, la municipalité ou les collectivités ont un rôle à jouer dans le domaine de la culture et notamment de la lecture. Et c'est vrai que la ville de Loudun attache une grande importance. Et donc nous avons déjà, il y a un an maintenant, nous avons délocalisé la médiathèque puisque nous avons ouvert une annexe dans un autre lieu de la ville, ce qui permet, le livre en fait, il faut je crois l'amener vers la population parce que la population ne vient pas naturellement vers le livre. Donc on a aussi une convention qu'on a passée avec Cultivons, l'association Cultivons le Livre, où on réhabilite des anciennes cabines téléphoniques en bibliothèque. Et on le fait également sur le territoire loudunais avec la mission locale, plus particulièrement des services civiques, des emplois civiques, qui également redonne une seconde vie à plusieurs cabines téléphoniques sur 5 ou 6 communes. Voilà, je crois que la tablette numérique, c'est important. Mais je crois que le livre, quand même, il y a quand même un côté tactile. Je crois que les pages, on peut les tourner. Je crois qu'il y a une odeur sur le livre, et le livre permet de s'évader, permet de rêver. Donc je crois que le livre devra toujours exister. Voilà. Mais j'aimerais quand même conclure par surtout des remerciements. Remercier les 14 lycées qui ont participé, qui ont lu. Merci également à tous les professeurs qui ont encadré quand même tous ces élèves. Je voudrais remercier aussi l'association Plateau, la présente de M. Frédéric de Foucault, qui ont un très beau projet sur Loudun et sur le Loudunais. Madame la Présidente en a parlé tout à l'heure. Remercier le LEP de nous accueillir, effectivement. Je crois qu'on peut remercier qu'ils vont nous concocter encore un excellent repas qui sera servi de main de maître par les élèves du LEP. Et je terminerai quand même par l'association Les Amis de Théophas Renaudot et sa présidente Marie-Claire Klein, qui fait un travail avec l'ensemble des bénévoles, qui fait un travail tout au long de l'année, et sans qui, eh bien, je pense que cette proclamation de résultats ne pourrait pas avoir lieu. Donc merci Marie-Claire pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année. Merci à tous, bonne journée, et surtout longue vie au prix Renaudot des lycéens. Merci. Monsieur Béraud, conseiller régional. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, un grand merci parce que vous concourez, je dirais, à des moments qui sont très importants, très chaleureux. Et puis aussi, je dirais, à cette image de la vie et de la ville et à un imaginaire au sens plus large. Alors, l'an dernier, vous aviez voté pour un livre qui s'appelle Giboulet de soleil. Et à la première page, j'ai pris un coup de poing à l'estomac. Et je me suis dit, ça va être un bon livre. Voilà, c'est à la première page, une espèce de gourmandise comme ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, si j'avais été plus jeune, ça m'aurait certainement aidé à grandir. Alors, les livres, ça ne sert pas qu'à grandir, mais je crois que ça sert aussi à quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'alors, il y en a qui vont passer le bac philo à la fin de l'année, faut le faire, quoi. Jean-Paul Sartre avait dit, qu'est-ce que je vais faire de ce que l'on a fait de moi ? Alors, c'est vrai que cette question, on y passe tous, c'est pas la question la plus simple, et je crois que dans les livres, il y a quelques renseignements sur le sujet. Donc, il faut lire, évidemment, il y a du plaisir, alors tous les livres ne servent pas à grandir, je veux dire heureusement, mais en tout cas, ce que vous vous initiez là, c'est ce bonheur renouvelé du compagnon avec qui on n'est jamais seul. Donc, un grand merci à vous, et voilà, je lirai le prochain, sur votre conseil. Merci par avance. Bonne journée à tous. C'est pourquoi député de notre circonscription. Et ancien élève du lycée Chauvet, tout à côté. Bonjour à tous. Je ne vais pas en rajouter parce que, bon, certes, on nourrit l'esprit, mais on nourrit aussi le corps, et je crois qu'on aura plaisir à déguster ce que nous propose la grande toque. Juste deux mots. D'abord, moi, je me félicite que des jeunes s'investissent sur des projets de ce type-là. Donc, bravo à tous ceux qui ont lu ces livres et qui ont partagé avec leurs professeurs, qui ont échangé entre eux et qui ont choisi le futur ou la future lauréate. Ce que je voudrais dire, moi, vu un petit peu de l'extérieur, et depuis peu sur Paris, souvent Loudun, le Loudunais, notre région, le Nord-Bienne, de façon plus générale, on est une petite zone de province assez éloignée de tout.
Mais quelque part, ce que vous avez initié avec le prix Renaudot des lycéens, ça a donné un éclairage, et un éclairage très positif sur le Loudunais, parce que beaucoup maintenant font le lien, parce que c'est quelque chose qui passe dans les médias, la remise du prix Renaudot des lycéens. Donc vous avez donné une image, et une image positive, sur une initiative qui a été prise sur Loudun. Donc à ce titre-là, j'en suis particulièrement fier, et je remercie tous ceux qui ont contribué à ça. Je profite de cette image, de ce coup de projecteur qui est mis sur, notamment sur le Loudunais, pour m'associer à quelque chose qui est un peu moins agréable, qui concerne le personnel enseignant, qui touche pas mal le personnel enseignant et non enseignant du lycée professionnel. Il y a des choses un petit peu compliquées qui ont été annoncées, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est juste de témoigner notre soutien, je crois qu'avec... Joël Dazas et Thierry Perrault, on est en face sur ce sujet-là, donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Bon appétit à tous et puis bonne découverte du lauréat. Bon, alors, ça y est, on y arrive enfin. Alors, donc, Camille et Anaïs, qui sont présidentes et vice-présidentes du jury Renaudot des lycéens, eh bien, je vais leur laisser la parole. À toi, Camille. Mais est-ce que tout le monde va entendre si tu parles avec ton micro? Non, il faut aussi prendre le micro. Aussi. Bonjour à tous. Alors, les délibérations du prix Renaudot des lycéens, organisées par les amis de Théophaste Renaudot et le rectorat de l'Académie de Poitiers, ont eu lieu ce matin. Le prix Renaudot des lycéens 2017 a été attribué à Kauter Adini pour son roman Mérichef, publié aux éditions Seuil, qui a séduit le jury du prix Renaudot des lycéens par un livre qui fait voyager dans le temps et dans l'espace, qui est très visuel et qui part à la découverte d'Alger. Il nous a séduit aussi par son personnage, ce personnage qui est l'éditeur, Edmond Charlot, qui est un personnage très romanesque, et par sa leçon de vie aussi, de partager la culture qui n'est jamais acquise et qu'il faut protéger. Ce roman a été élu par 14 voix devant Maï Binbin pour son roman Le Fou du Roi, publié aux éditions Stock. Je vais vous souhaiter bon appétit. Tout le monde a trouvé sa place? Non? Président et vice-président du jury des lycéens, comment sont passées les délibérations? Est-ce que c'était votre choix? Oui, c'était mon choix. Et Anaïs? C'était mon choix aussi, mais c'était très serré parce que ça s'est joué à un vote blanc. Il n'aurait pas eu son vote blanc, on devait faire un troisième vote. Et que pensez-vous du fait que le livre sur Mengele était en rendu? J'ai reçu le prix national et pour que tout le monde puisse quand même avoir un prix, ça aurait été dommage de le laisser dans la sélection. S'il aurait eu le prix Renaudot, ça aurait été un prix. Mais est-ce qu'il vous plaisait en fait? Oui, il était très intéressant. Vous l'avez mis en premier? Non, c'était une richesse. D'accord. Merci.